J'espère que vous allez bien. On est de retour sur les aventures d'Edith Finch, parce que j'ai du mal à dire le titre, voilà. On en est au troisième épisode. Dans le précédent, nous avons découvert comment étaient morts Calvin et Barbara, cette femme ici présente. Donc nous allons continuer notre exploration au sein de la maison de la famille d'Edith. Je vais regarder ça. Oh, un joli soutif. Bien rembourré. Ah mais non, mais je peux pas repartir par la porte? Ah, je suis con, je suis venue par là en fait. Mais... Ah ouais, le Bigfoot c'est ça en fait les amis, bah vous... Enfin, c'est une légende le Bigfoot, un être comme ça qui vivrait dans les bois. J'ai même fait plusieurs vidéos dessus avec Seros, on était à la recherche du Bigfoot, c'est super drôle en plus. Enfin je dis ça parce que j'ai vu dans les commentaires des personnes qui se demandaient « Mais qu'est-ce que c'est que le Bigfoot ?» Bon bah écoutez, on va repartir par là. Attends, je crois maintenant savoir pourquoi maman n'aimait pas que je joue avec la boîte à musique. Non, à ce point-là. Hop. Ouais, salut! Je rentre par un endroit, je ressors par un autre. Oh, ils adoraient les livres. Hein. Oh, Barbara. Qui est-ce? C'est le père d'Edith, Odin, qui a construit la maison d'origine. D'accord, ok. C'est à cause de lui que sont dus tous ces malheurs. Dès que quelqu'un me parlait de ma famille, la première personne dont on demandait des nouvelles était Barbara. C'est marrant, toutes ces fois où j'ai joué avec la boîte de musique sans jamais trouver la clé du sous-sol. Oh, je peux monter là-haut. Ah non, je peux pas. Oh, c'est chelou. Je suis un peu perturbée parce que j'ai l'impression que c'est plus sombre qu'avant. J'avais oublié une brochure en fait en bas et j'avais dit dans l'épisode précédent que je voulais y aller. Ça me perturbe un peu maintenant. Ça fait bizarre de re-regarder ça. Bon, je vais descendre de Spi. Voilà, c'était cette brochure-là. On va la faire. Ma mère était la seule à imaginer que l'arrière-grand-mère Eddie aurait pu vivre dans une maison de retraite. Voilà, c'était l'arrière-grand-mère Banda. Bon, je sais pas, ça commence un peu à flipper. Je sais pas, je trouve que la maison s'assombrit. Ouais. J'aime pas trop ce qui dégage. Est-ce que je re-regarde la boîte à musique? Ou est-ce que... Bon. J'aime faire les choses dans l'ordre. On sait qu'il faut... Oula, excusez-moi. Qu'on peut... pourra... re-regarder. Mais je voulais voir l'espèce de trappe là-haut, là. Je me demandais si cette bande dessinée était vraie à propos d'une clé... Ah bon, ok, il faut que j'aille voir la clé. Mais je voulais juste voir... ça me perturbait, là. Non. Là. C'est quoi, ce bordel? Maman a dû sceller le troisième... Le soir de notre départ. Oh là là. C'est du vin? Oh, c'est stylé. Et bon, viens. Oh, ça fait... C'est dingue ces portraits-là, ça me rappelle tellement la maison de famille. Bon, je regarde un peu, je sais, il faut que j'y aille, mais j'ai envie de checker un peu quand même. Sven, Edith. Maybe I should go check out that music. Je devrais peut-être aller étudier. Oui, oui, on y va, d'accord, ok, c'est bon, j'ai pas le droit de regarder. On me donne des ordres. Let's go! Putain, il fait vachement sombre. Bon allez, maintenant tu sais qu'il y a une clé maintenant. Hop. Ah, il y avait une oreille. Enfin, avait-il vraiment une oreille? Voilà. Ah, ça me fait peur hein, quand même. Hein. En même temps, je suis une flippette moi. Moi, tout me fait peur. Est-ce que je peux allumer? Non. Oh, on peut pas mettre le disjoncteur. Allez, tout va bien, on va dans la cave. Sous-sol, cave, comme vous voulez. Y'a quelqu'un? Il serait mort depuis le temps. Je peux pas remettre...
Non, mais ça fait un peu peur, quoi. Ok, une table de billard. Avec un panier. J'espère qu'on a fait la lessive, hein? Ouais. Ok, c'est qui faisait qui scie du bois? Mom said the basement was off limits. Maman disait que le sous-sol unless était I wanted hors another limite, tetanus shot. À moins que j'ai envie d'un rappel contre le tétanos. Ah, tu m'étonnes. Oh, j'ai de quoi me défendre ici. Sympa. Ouais, il faisait trop noir. Ah non, mais il fait trop noir là. I saw Edie sneak down to the J'ai vu basement Edie once, rôder dans le carrying sous-sol un packages. jour. Elle transportait des caisses. Ah, mais il fait super sombre. Je vois rien. Bon, on va y aller, hein. À l'aveuglette. À l'aveuglette! Oh, le frigo, là, qui a bougé. Je pensais qu'elle cachait peut-être des cadeaux. Ok, on va aller voir là. En fait, elle cachait bien plus que ça. Non, mais c'est une blague. What the fuck? On voit rien là. Oui, bah alors là, on voit rien du tout. Ah, ouais, d'accord, c'est je me souviens d'avoir un jour demandé à maman où Walter était parti. Elle a dit qu'après la mort de Barbara, il était parti le plus loin possible. What? Oh, des céréales. S'il y a une logique à toutes ces histoires. Eh, mais punaise! Je crois que c'est. Chacun de nous est allé bien loin. En fait, ouais, c'est un bunker, quoi. Walter. Ah, on va en apprendre un peu plus sur Walter. Ah, il a vécu longtemps, Walter, quand même. Regardez. 1952-2005. Bon, bah, on va checker. On va savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un peu plus là, sur... Au revoir tout le monde, je n'arrive pas à croire que je suis ici depuis 30 ans. Le premier jour, quand le tremblement a commencé, je ne pensais pas survivre une semaine. Ouais, ok. Wouhou, ma vie est passionnante! Mais au bout de quelques jours, je me suis installée dans une routine. C'est ce qui m'a empêché de devenir fou. Pourquoi s'installer sous la maison? Avoir des horaires, vivre le présent. J'ai toujours cru mourir le jour d'après. Ah ouais, d'accord. Et si on attend assez longtemps, on finit par s'habituer à tout. Je peux rien faire à part ça, quoi. Oh putain, ma vie. Ma vie, c'est de la merde! Même un monstre derrière la porte finit par devenir normal. Les amis, je vais éternuer, je suis désolée. Excusez-moi. Sur les aléas du direct différé, hein, excusez-moi. Années 70, mon gars. And then one day, et puis un jour, tout s'est... Oh là là, 2005. Stop. Arrêtez. En fait, j'ai mangé que ça whatever pendant... That thing was, avoir... Il y avait été cette chose, elle maybe était partie. Elle s'était peut-être lassée d'attendre. Je m'étais peut-être lassée d'avoir peur. J'ai mangé des abricots toute ma vie, en fait. Si c'est ça. En conserve. It's been a week now. Ça fait une semaine, un an, la plus longue depuis 30 ans. Ah, j'ai rien à manger! I'm done waiting. J'en ai marre d'attendre. Mais qu'est-ce que t'attends? I have to leave. While I still can. Je dois partir. Pendant que je le peux encore. Oh, le mec, il a vécu ici, quoi. Putain, l'angoisse. L'angoisse totale. Bon, on s'en va, hein! Salut papa, salut maman. Ouais. Toujours des livres, des livres, des livres. Non mais attendez, c'est dingue quoi. C'est juste dingue.
Ah! Oh, il y a bug! Bon, à moins qu'il y a. Non, bon. Alors attendez, je suis dans un endroit exigu. Toujours des céréales? I know it's out there, somewhere. Je sais que c'est là, quelque part. Mais de quoi tu parles? Whatever parle killed Barbara. Walter. Ce qui a tué. Ah ouais, d'accord, on part sur ce trip. Ce qui a tué Barbara. Et Molly. And Calvin. Et Calvin. Hein? Tu m'angoisses un peu, Walter? C'est quoi ça? Des déchets? Oh! Une palle. Crozo? Peut-être. Tout ceci n'est. Putain, n'est qu'une. Je sais pas quoi. Mais je dois arrêter de revivre sans cesse la même journée. Even if it kills me. Même si je dois en mourir. Okay. À voir qu'il y avait ici, je veux que vous sachiez que je suis prêt pour ça. Je vais en apprécier chaque élément, particulièrement la nourriture. Ça ne me dérange pas de n'avoir plus qu'un... Putain, je... Ou un mois. Un an, un mois ou une seule semaine. Ça me contenterait de... Je me contenterais de... Excusez-moi, je l'ai un peu mal aujourd'hui. Je peux déjà imaginer... Ah, what? Je suis choquée, là! Ouais, il s'est suicidé. Walter est mort quand j'avais 6 ans. Je n'arrive pas à croire que ma mère ne m'ait jamais dit qu'il l'avait vécu ici. Waouh, Walter avait une vie, en fait, il a vécu ici, reclus, tout seul, traumatisé par... je suis sûre que ma mère essayait de me protéger. Traumatisé par la mort de, je pense, de Molly et Barbara, il a fini par suicider, quoi. Je, pour moi, c'est ça, il n'y a pas plus explicite, là, par contre. Allez, descends, ma poule. T'imagines la famille, quoi? T'imagines en classe... Racontez-moi l'histoire de votre famille. Elle avait peut-être peur que je finisse comme Walter. Ah, tu m'étonnes. Mais si elle ne m'avait jamais parlé d'un oncle sous la maison, même si même... Mais... Je ne peux imaginer qu'imaginer ce qu'elle cachait d'autre. Ah d'accord, la phrase n'était pas finie. Ok, je ne peux pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. Je veux tout savoir, moi. En essayant d'entrer une chose encore vivante. Ça me perturbe un peu. Oh putain, mais attends, c'est l'épisode. Il fera noir. Et voilà. Maintenant qu'il ne reste plus qu'un de nous, ou peut-être deux. Pourquoi deux? J'ai pensé qu'il était temps d'écouter ces histoires pour moi-même. Et de découvrir ce qui était arrivé à tout le monde. Mais j'ai maintenant peur que ces histoires ne soient en fait le problème. Peut-être croyons-nous tellement à cette malédiction familiale que nous en avons fait une réalité. Ouais. Ah, c'est chaud. T'es trop bête, Walter. What? Bah attendez, sortez d'où le train? Oh là là, mon dieu, c'est dans un trip. Pas de trip! Ils ont tous pris de la drogue. C'est quoi le truc là-bas, regardez? Je ne sais même pas si je devrais écrire ça. Là, à droite, il y a une petite lumière rouge. On dirait un bateau échoué. Bah, je pense qu'il s'est quand même suicidé, Walter. Il serait peut-être mieux que tout ceci soit mort avec moi. C'est quoi ça? Mais j'ai pensé que tu devais savoir à propos de ta famille. À qui elle parle, putain? C'est quoi ça? Regardez, c'est une espèce de statue. Elles font flipper, hein. Et de l'histoire dont tu fais partie. Ouais.
je vais où là? Ah, je vais là-bas. Mais pour être honnête, je me sens aussi perdue que tu dois l'être également. Ah bah tu m'étonnes que je suis perdue là. Je crois que les gens de ces histoires les croyaient pour ce que ça vaut. Et quand on regarde la maison, cette histoire d'imagination, ah, de la folie, tout semble possible. C'est quoi ce truc qui pend là? Ah. Je peux aller là-bas? Je crois que nous sommes cernés par la mort depuis si longtemps que nous y sommes habitués. Tu m'étonnes. C'est horrible quand même. Quel genre de famille peut bâtir un cimetière avant de commencer la maison? Oh. God. Ah, c'est le cimetière? Non, ils ont leur cimetière à eux. J'ai du mal à l'admettre, mais... Le cimetière pour animaux, il m'était plus mal à l'aise que celui des hommes. Non. Trois des gerbilles m'avaient appartenu et pour deux d'entre elles, c'était ma faute. Je crois, je sais plus trop. Putain! Bah attendez, c'est une blague! À un moment donné, faut arrêter d'avoir des bestioles, les amis! Ah putain, je te dis pas, si 30 millions d'amis voient ça, ils vont se poser des questions, hein! Ah, je comprends mieux quand t'as dit qu'on est cerné par la mort. Sven a construit la maison, mais c'est Eddie qui a conçu le cimetière. Molly Finch. Oh, Molly! Calvin! Sven, Eddie. Walter, Barbara, c'est glauque, c'est très glauque. Je suis sûre que le monument d'Odin était l'idée d'Eddie. Ma mère essayait toujours d'avancer, mais pour Eddie, le passé n'a jamais disparu. Oh, c'est spécial. Elle le voyait émerger de l'eau à marée basse. Salut Odin, t'as un peu foutu la merde dans la famille, hein? Je te remercie pas? Ah, je vous disais bien. Eddie a dit qu'elle rêvait de la vieille maison chaque nuit. Ouais, c'est la maison qui s'est échouée, là. Ils ont pas eu le temps, qui s'est échouée dans la mer. Bon, bah, je repars dans ma maison, maintenant. J'ai toujours trouvé le point de vue d'Eddie plus simple à comprendre. Mais plus je vieillis, plus je comprends ma mère. Sam Fish, son père, avait été assez strict, mais pas assez pour sauver ses frères. Elle essayait juste de faire mieux. Gregory Finch, Sam, Gus. C'est qui dans la famille, ceux-là? Il est où mon arme? Ah ouais, d'accord. Putain, tu parles. T'invites tes potes à la maison. Ouais, j'ai un cimetière alors. Elle a perdu deux frères, comme moi je comprends pourquoi elle a tant essayé de nous protéger. Putain, mais c'est un truc de malade. La maison. Il y a tant de choses que j'aimerais demander à maman aujourd'hui. Quelque part, je me dis que c'est ce qu'elle a toujours voulu. Que je revienne ici un jour. Et découvrir tout par moi-même. Putain, c'est... avoir son cimetière, quoi, j'hallucine. Petite terrasse, au calme. Mais rétrospectivement... Si elle m'avait dit que j'allais devoir grimper tout ça, je serais jamais venue alors que je... Mais ah bah putain, tu le caches bien ton bidou, hein. Enfin, 22 semaines, c'est rien, 22 semaines. Ouais, elle est enceinte, c'est pour ça en fait, elle est en train de faire... d'écrire pour...
Pour son enfant, c'est ce que j'avais compris, ouais. Enfin, je me demandais, ça devait être un truc comme ça. Soit elle allait pour son futur enfant. Bon, pour moi, elle n'était pas encore enceinte. Mais ça veut dire qu'elle se voit déjà mourir jeune. Ah, c'est très glauque quand même, hein. Mais attends, elle a quel âge? Elle est enceinte vachement jeune. Tu nous as fait un gosse très tôt, dis donc, hein. Bon, ah non, c'est par là-bas. Je n'ai jamais connu grand-père Sam, mais je crois que lui et ma mère avaient beaucoup en commun. Ah! Ouvre-moi cette porte. Tout était assez passionnant. Tous deux étaient assez passionnants. Sam a passé sa vie à prendre des photos, mais maman disait qu'il devenait nerveux face à l'objectif. J'imagine qu'on a tous peur de quelque chose. Waouh, la tête. Ah, je trouve ça moche, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Bon, attendez, avant qu'on lise son histoire, je voulais juste voir un peu sa maison. Au lieu de fuir la mort, Sam semblait tout faire pour la rencontrer. Ah ouais, d'accord, tête brûlée. C'est un chat empaillé ! Oh, mais l'horreur ! Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça. Ok. Bon. On va aller voir son petit passé. À papy Sam. Hop. What? Ouais, si on veut. Ouais. Dawn, ok, d'accord. Dawn, je te promets que tu n'oublieras jamais ce week-end. These memories are gonna last a lifetime. Je fais que de la merde. Est-ce que je vais devoir tirer sur quelque chose? C'est une partie de la chasse. Tirez fortement, encouragé. Tu tires sur tout ce qui bouge, fils. Eh ouais, on est des Américains, nous. On tire sur... Oh, quoi? C'est ma maman? Perfect. Il va pleuvoir tout le week-end, pas vrai? Ah ouais, d'accord. Ça va se passer que comme ça. Va falloir que je prenne les bonnes photos, c'est ça? Ah putain, c'est chaud, mais attendez, il pleut. La qualité est médiocre. Ah, ça doit être ça, peut-être, non? On était dans une fiche. Vous allez prendre donc. Hey! Sois poli. Hey, t'as un problème? Je suis un artiste! Ah, c'est quoi ça? Ah, t'es là! Bah, je sais, ma chérie. Là, je prends des super photos, tout est flou. Putain, j'arrive pas. Ah, là. Ok, got it. C'est bon. Putain, tu parles d'une photographe. Je vais prendre quelques photos aussi. Fais attention, l'appareil est encore plus vieux que moi, que toi. Ah, papa! Si, 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 si. Celle-là, je la garde. Je crois que ça, c'est de là. Tu devrais te souvenir à ça si tu veux survivre. Bah, vas-y, papa, c'est bon, tout ira bien. Tu sais que c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. Tu ne plaisantes pas. Je sais, papa. Tu ne plaisantes jamais. Putain, je suis trop nerveux. À dire vrai, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas venue ici. Voilà. Tu pourrais peut-être trouver des choses plus intéressantes à photographier. Bah quoi, c'est intéressant. C'est quoi ça? Waouh, l'art du crime. La dernière fois, c'était avec mon frère Calvin. La vache, c'était une superbe balade. Alors attendez, ton grand-père Sven nous avait appris à pêcher, à faire un feu. Putain, j'arrive pas à prendre en photo. Bah, c'est intéressant, papa, mais attends, j'essaie juste de prendre ça. Ok, je peux pas. Ah, je parie que je retrouverai ce sentier. Hein. Oh, super, je suis partie en mode pêche avec mon père, quoi. Oh, c'est beau. Bien vu, Dawn. C'est quoi ce prénom, Dawn? Oh, regarde là! Regarde, papa! Je prends la nature en photo! Ah, je l'ai eu. Avant que tu tires, je vais te prendre en photo. Ok, d'accord. Allez, ma fille.
Oh, c'est quoi cet appareil de merde? Oh, l'appareil photo le plus pourri de tout l'univers. Ah, là, voilà, merci. Vas-y. Ah, elle est pas bonne. Je vais me mettre derrière toi. Attends, sur quoi va tirer, là? Je suis obligée de faire ça? Tu n'es pas obligée, tu n'es obligée de rien, mais si tu veux survivre, tu dois être forte. Maintenant, tiens-toi droite, laisse tomber tes épaules, comme je t'ai appris. Oh! Mais tu vas pas le tuer? Ah bah c'est moi qui l'ai tué en plus. Ah! Mais c'est horrible! Et me prendre un selfie avec sa fille qui pleure? On a mieux comme père. Hein. Oh putain! Je n'oublierai jamais ça. Ah, c'est moi qui est en train de... Non mais c'est horrible! Je suis fière de toi, ma fille, t'as tué un cerf. Ouais, allez, vas-y. Regarde, hein! Papa, il bouge encore, je crois qu'il est toujours... C'est normal. Concentre-toi sur l'appareil. Et ah, ah, excusez-moi, mais alors là, j'étais absolument contre tout ce qui vient de se passer. Voilà, c'est justement, c'est le karma, je suis désolée. Bah ouais, mais papy Sam, je suis désolée, hein. T'as merdé. De toutes ces histoires, c'est celle que j'aurais le plus aimé que maman me raconte. Ouais. Ouais, ouais, tu m'étonnes. J'aurais un peu la... C'est bien fait pour lui, je suis désolée. Hein. Ça sert à rien, c'est juste pour le plaisir de tuer, donc je suis désolée. Et nous les amis, on va s'arrêter là, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, et c'est bien fait pour Sam, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Ne touche pas aux animaux. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à partager, à me soutenir quoi, tout simplement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao.